L'annonce est bien tombée, le moral est en berne. La peine a bien sonné, on a tous pris des mois fermes. Prison s'est raccourci quand les règles se sont durcies. Pas au bout de nos soucis, pareil qu'on est en sursis. Alors à la belle saison, on a squatté nos maisons. La prudence nous enferme et je crois bien qu'elle a raison. Même si les parents peinent pendant la quarantaine. Trop de parenthèses, souvent les parents se plaignent. Et pourtant on nous a dit qu'il faut savoir en profiter. Il y a de la lumière derrière chaque atrocité. Que cette situation peut faire grandir la race humaine. Et que c'est l'occasion d'en apprendre plus sur nous-mêmes. Alors on a pris conscience, on a fait ce qu'il fallait. Mais moi j'ai l'expérience d'un baron de 40 balais. Être obligé de ralentir peut parfois être plaisant. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire lorsqu'on a 15 ans? Justement, parlons-en. Avec mes fils, j'ai dû avaler pas mal de Guérons-en. Comme deux petits grands cages de 6 ans et 9 ans. On peut savoir innover, c'est souvent éprouvant. Pareil qu'on les a entendus de Moscou à Cayenne. Corps focal suraigu, très au-dessus de la moyenne. De ces deux fautes, je n'ai pas été seulement le dresseur. Parmi mille autres choses, j'ai même fait professeur. Et puis j'étais aussi coiffeur, animateur, cuistot, inventeur, conteur, implémenteur. Nettoyeur et rangeur Tetris de frigo. Réparateur de jouets, spécialiste Ninjago. Pendant deux mois, tu ne suis pas tout rose. Mais vivre ensemble en famille est forcément une belle chose. On s'est retrouvés, on s'est parlé, pour dire la vérité. Si c'était parfait, on leur ferait sans doute. Non.